Alors c'est fini. Enfin. C'est une clé de fondateur. Et je te conseille de la prendre avant que la raison me revienne. Ça ne risque pas d'arriver, vieux fou. Tu n'as pas tort. Mais tout problème a sa solution. Le Goliath, conçu pour être notre plus grande arme, est capable de nettoyer la forêt autour de l'arbre. Mais un séisme nous a chassés de la fonderie, et elle a de nouveaux occupants. Le Goliath n'est pas achevé. Si ce Goliath est votre chef-d'œuvre, comment pourrais-je l'achever? Dans la forêt repose un autre automate. L'un des rares survivants à ne pas avoir été corrompu. Il n'a pas la force du Goliath. Mais son cœur est brave. Trouve-le, et il te guidera jusqu'à la fonderie. Alors, tu pourras activer le Goliath grâce à la clé. Les automates sont activés par une clé? Oui. Contrairement à nous, ils n'ont pas d'âme. Mais ils peuvent en recevoir une. Cette clé ouvre la pierre et la rend apte à accueillir l'énergie vitale d'un fondateur. Elle peut animer la plupart des automates qui sommeillent sur ces terres. Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai une âme, l'ancien? N'est-ce pas elle qui te tourmente? Dans ce cas, pourquoi ne pas les utiliser pour purifier votre royaume? Hélas, ils ont été rappelés à la rupture des sceaux. Notre triste contribution au jugement dernier. Ce gardien est le seul qui nous reste. Les sceaux ont donc bien été brisés. Comment reconnaîtrais-je cet automate? Les automates sont des êtres de pierre mus par la force vitale d'un fondateur. La plupart ne possèdent qu'un fragment d'âme, juste assez pour les rendre utiles. Mais d'autres sont habités par un être tout entier. Ils sont le réceptacle d'une histoire à moitié oubliée. La vie est un lourd fardeau. Même la pierre plie sous son poids.